Donc cette réalisation, en fait, elle part à la base d'une réunion qu'on a eue chez Dynastar l'année dernière, où on a commencé à parler des 200 ans de la compagnie des guides qui sont cette année, et où on cherchait qu'est-ce qu'on aurait pu faire, eux et nous, en commun pour aider et pour participer justement à cette grande fête des 200 ans, à savoir que cette année, la compagnie va organiser plusieurs événements justement pour fêter ce bicentenaire. Et donc Dynastar était vraiment très partant pour se joindre à nous et puis pour faire quelque chose avec nous. Donc on est parti sur l'idée de faire un ski spécifique pour ces 200 ans. Donc le premier chose qu'on a eu à faire, c'était de choisir le ski. On est parti sur un M vertical 88 qui correspondait un peu à un ski, on va dire un ski de guide, très adapté au ski de randonnée. Ça tombe bien, cette année on est en plein dedans. Et puis voilà, donc on a choisi le ski et puis après on s'est tous creusé un peu les ménages, que ce soit les designers chez Dynastar, la compagnie. On était un petit team de la compagnie à vraiment travailler sur ce projet. Et en fait, l'idée qu'on peut voir, hein, ce ski, c'est le massif du Mont Blanc. Hein, c'est la chaîne avec le Mont Blanc, les aiguilles de Chamonix qui sont vraiment représentées sur ce ski-là, plus le logo donc, de la compagnie des guides et des 200 ans. Et cette idée du massif du Mont Blanc, elle vient un peu à la base de Jacques Queneau, qui a travaillé chez Dynastar et qui était testeur et qui est membre de la compagnie et qui avait une fois eu des skis avec ce design. Et tous ses clients lui disaient ouais, « ils sont super beaux ces skis ». Et du coup, on s'est dit, bah allez, feu. Et du coup, on a sorti ça et on a tout de suite été assez emballés. Dynastar aussi, on trouvait ça très bien et on a trouvé que ça portait vraiment, ça collait tout à fait à ce qu'on avait envie de faire. Donc voilà, ça c'est l'histoire de comment on en est arrivé à ce ski et le design. Après, le but de ce ski et donc de ces 200 ans, il faut savoir donc que la caisse de secours de la compagnie, donc la compagnie a 200 ans et elle a été créée il y a 200 ans suite à un tragique accident au Mont Blanc, une avalanche avec le docteur Hamel, où justement le client avait un peu poussé les guides chamoniards à continuer leur ascension au Mont Blanc et au fil du coup ils sont allés malheureusement à l'accident, ils ont été pris par une avalanche et suite à cela les guides ont décidé de se fédérer pour avoir plus de poids et puis pour pouvoir pour être, on va dire, avoir un peu plus de décision par rapport aux clients. Et donc ils ont décidé de créer cette compagnie des guides. Et donc la caisse de secours, c'est vraiment le maillon fort de la compagnie. Et en fait, c'est une association caritative qui aide les guides en difficulté suite à un accident, donc les guides ou leurs familles. Et voilà. Donc tous les ans, on organise donc une fête des guides le 15 août. Et tous les bénéfices reçus à l'occasion de cette fête des guides sont reversés à la caisse de secours. Donc il y a aussi des dons, on vend tout ce qu'on vend comme t-shirt, comme accessoires à la compagnie des guides. Tout est reversé sur la caisse de secours. Et donc voilà, on est parti sur ce principe. Et donc le principe, c'est que il y aura un pourcentage de toute la vente de ces skis qui sera reversé à la caisse de secours. Voilà. Donc pour faire ça aussi, donc les skis sont numérotés et donc 200 ans, donc 200 paires de skis. Donc il y aura 200 paires de skis vendues dans le monde et on peut les trouver chez Snell, exactement. Donc venez chez Snell, venez en acheter une paire. On vous les vendra avec grand plaisir. Une petite précision, donc ce ski est disponible en deux tailles, 180 et 172. Le M Vertical 88, c'est un ski qui a été fait en fait par Vivian Boucher, hein, qui est membre de la compagnie et qui fait partie aujourd'hui des références de la Pentraide. Et c'est un ski qui est hyper polyvalent, que ce soit donc déjà qui est quand même assez léger et puis qui va très bien, qui est pas trop, qui a un rayon de 20 mètres, hein, donc qui est pas trop taillé. Donc à la montée il va plutôt bien et puis à la descente aussi, un ski qui est assez souple et qui est vraiment adapté au ski de randonnée dans toute sa pratique, hein, que ce soit vraiment du, peut-être pas du débutant, mais du randonneur jusqu'au chercheur de Pentraide. C'est un ski qui marche plutôt pas mal. Ouais.